première mission de l'acte 3, authentification à deux facteurs. ZKF, au courant des plans de Deadbolt, commence à passer à l'offensive. Barrière affirme que ses capteurs sismiques pourraient être améliorés pour détecter les mouvements de l'ennemi et Green est impatient de tester cette théorie. Il va falloir faire un contrat de défense de station terrestre. Alors on a trois, j'ai de mémoire, hein, on a trois trucs à activer et ensuite il faut faire partir tout ça via un PC qui va être attaqué par des mercenaires. Donc qu'on nous dise dans du T20, alors par contre ça me paraît assez chaud, surtout en solo. La santé de l'ordinateur ne doit pas descendre en dessous de 60%. Je crois que pour l'instant ça n'est jamais arrivé, tellement ils font mal, je passe pas trop à côté du truc, je le défends un peu en transverse, là il va falloir beaucoup plus s'exposer, showtime, et ensuite s'exfiltrer avec la recette perception de la mort. Donc ça sera une recette qui va popper certainement à l'intérieur de la bulle violette une fois la mission terminée, donc on aura un plan jaune qu'il nous faudra extraire. Sacrée mission. Alors voilà, tout ensemble. ZKF, j'aurais fouillé le site de test et réalisé que notre appareil était une mauvaise nouvelle. Et ils ne tarderont pas à riposter. Mais Barrera pense qu'il peut nous donner l'avantage. Mon équipement est incroyablement polyvalent. Si on ajuste la profondeur des réfracteurs, on découvrira où se trouvent les mercenaires dans la Z2. Ça pourrait mettre une bombe au chômage. C'est génial, ça. Ces interactions qui durent 3 heures. C'est possible qu'ils surveillent ce canal? Alors, les missions classiques, il n'y a pas ces interactions qui découvrent avec avec un peu de désarroi. J'ai déjà perdu 3 plaques de blindage. Bien. Alors je l'ai tenté en solo, hein, mais c'est vraiment chaud. Hein. Là je suis avec quelqu'un, je pense que ça va être un petit peu plus facile. Change de chargeur. Le site de test et réalisé que notre appareil était une mauvaise nouvelle. Et ils ne tarderont pas à riposter. Mais Barrera pense qu'il peut nous donner l'avantage. Mon équipement est incroyablement polyvalent. Si on ajuste la profondeur des réfracteurs, on découvrira où se trouvent les mercenaires dans la Z2. Ça pourrait mettre Docs au chômage. C'est possible qu'il surveille ce canal? Reste derrière! C'est marrant, la première fois que je l'ai fait, j'ai l'impression que l'interaction avec le... avec les trucs était beaucoup plus long. C'est-à-dire que là, on fait l'opération, il y en avait un deuxième. Comme... je suis arrivé une première fois, peut-être assez. C'était le dernier. Dépêchez-vous de rejoindre le changement de chargeur. Tirer sur la... change de chargeur. Déjà presque une minute, pas de dégâts. À l'est.
pour le bon chargeur. Véhicule détruit. Fais gaffe où tu tires. Je change de chargeur. Définitivement, moi... un choix bizarre. Ne serait-ce que d'avoir plus de diversion, plus de lignes de shoot. C'est un peu dommage que, en fonction de combien on est, j'ai pas l'impression qu'il y a un changement de ce qui se passe en face. Je recharge. Je suis détruit. Merde, j'ai l'impression que ça prend des dégâts. Ouais, non, ça se passe bien. Ennemi en mouvement, à l'ouest. Je me fais tirer dessus. Je change de chargeur. Je recharge, mais j'ai pas besoin. Je suis blessé. Et puis qu'elle extrait. C'est vraiment étrange, mais qu'est-ce que t'es brillant! Si ça se passe comme tu l'as dit, je promets que je donnerai mon feu vert pour tes. Leader Deadbolt? J'ai peut-être pas bien vu, mais. Changement de chargeur. Pas mal côté mercenaire. Ok, on se concentre. On va affronter cette menace. Et ensuite, on s'exfiltre. Point d'exfiltration. Parti pour l'escape. Hein. C'est un autre joueur qui a aidé. Ah, bah il a rejoint le champ de bataille d'une manière que Fletcher n'a pas fait. Mon collègue a eu besoin de situer imprimé pour pouvoir aller. Il lui en a gentiment donné. Attends, bah. Schéma.